y a une vraie lune. C'est très Après, les lunes ne sont jamais à passer à l'axe. D'un coup, autour de moi, il y a des gens qui tombent malades, on ne comprend pas vraiment voilà, ce qu'ils ont. Tout d'un coup, ils se mettent à développer des pathologies, à maigrir, on les hospitalise, on leur fait je ne sais pas combien d'examens, on ne comprend pas ce qu'ils ont et très très vite, ils meurent. En fait, la société s'en fout. Donc l'épidémie s'est développée sur un fond de mépris social, de mépris pour les toxicos, de mépris pour les homosexuels. Il y a un peu un tournant avec le sang contaminé où tout d'un coup, et c'est quelque chose qu'on va dénoncer, c'est quelque chose contre lequel on va protester, que tout d'un coup il y aurait des victimes innocentes ou des victimes plus victimes que d'autres. Et là il va se développer une forme d'empathie, notamment avec la prise de conscience par la société que l'épidémie touche également des enfants.